Bonjour, bonsoir compatriotes, moi yo, ça va dépendre de l'air. Vous regardez vidéo ça, moi vous un gros coup de chapeau bas pour ou même qui c'est fanatique fidèle. Production 509. Gen pile moun k'ap mande côté ancien sénateur Guy Philippe passé parce que yo di yo libéré Guy Philippe, il était pour entrer dans pays d'Haïti et yo pas remarqué Guy Philippe fait apparition dans pays d'Haïti. C'est raison ça qui fait que gen pile moun k'ap mande côté sénateur nous en passé. Est-ce que tout bon vrai l'elle entre dans pays d'Haïti DCPJ a arrêté l? Eh bien m'a dit non. Et allez comme ça m'a dit pour qui ça? Il pas qu'à arrêter ancien sénateur Guy Philippe. Femme ou bien après l'état américain ou bien la justice américaine libéré Guy Philippe. Femme ou bien tout ça selon VOA créole ex rebelle 2004 là trouvé actuellement là dans mes services immigration et la douane USA. C'est ça la voix de l'Amérique fait nous connaître. Raison pour laquelle Guy Philippe non service immigration avec la douane yo kebel jusqu'à ce qu'elle ait complété processus immigration après pour yo pimpel retourner dans le pays d'Haïti qui c'était natal. Nous tout connaissons Guy Philippe fin juge peine dans un accord li joine avec la justice américaine. Li fin juge tout temps li était pour te faire dans prison yo libéré. Mais il était rendez-vous jour 7 septembre qui s'est passé là pour te rentrer dans le pays d'Haïti. Nous connaissons yon bon nèg ki pè ancien sénateur Guy Philippe, yon fait toute démagogie, yon bloqué Guy Philippe pour pas rentrer dans le pays d'Haïti. Yon te kembe passeport, misye, et li pa kojou nou code de route pour te rentrer dans le pays d'Haïti. C'est pour ça, gen pi moun ka pose question, côté Guy Philippe passé, est-ce qu'il est toujours dans prison? Mais non, Guy Philippe pas dans prison, mais plutôt, li trouve actuellement là, dans service immigration avec la douane dans le pays USA. Et yon façon, yon kembe jusqu'à ce qu'elle complète le processus immigration après ça pour yon pimpe retourner dans le pays d'Haïti. Je me pose une question d'aller là, est-ce que DCPJ a arrêté Guy Philippe? Moi, je dis non. DCPJ n'a pas arrêté Guy Philippe parce que si DCPJ t'a supposé arrêter Guy Philippe, vous avez fait ça depuis avant de poser candidat pour te sénateur. C'est pas là que Guy Philippe fin élu, yon prend. Américain prend là, yo allé à Vel, dans le pays États-Unis, et là, ça m'a dit, oh oui, Gifite ceci, Gifite cela, il te fait massacre sous policier, en plus, moun te moui. Nous connaissons la bataille Guy Philippe te fait en 2004. Oui, mais, de CBJ Pakatim, c'est Kounia là, yo au courant que Guy Philippe te fait rébellion ou bien tout, il t'a dit, yon troupe, yon groupe rebelle en face Jean-Bertrand Aristide. Mais non, yo va pas arrêter Guy Philippe parce que Guy Philippe, c'est un nègre qui te joue un mandat pour te poser candidat, pour te aller dans l'élection. Et ensuite, yon te yon vote Guy Philippe en tant que sénateur, Grenes li élu. C'est ça qui fait que me dit nous, yon papa et arrêté Guy Philippe. Comprenez bien, oui, ça m'a dit là. Imaginez Guy Philippe, depuis 2004, li fait une bataille. Guy Philippe fait une bataille ça. Kounya là, li joue un mandat ou bien tout. Par contre, il joue dans tout. Il joue l'ordre pour l'élection. Il finit faire l'élection. Mais il n'est qu'en paille. Il arrive élu, sénateur grand danse. Seulement installé pour installer ou bien tout est en place dans la chambre. Ça veut dire que Guy Philippe est un homme d'État. Si Guy Philippe est passé, il joue un mandat pour aller dans l'élection. Bon, c'est pas laisser ça. Là, on finit arrêter Guy Philippe, aller avec le pays États-Unis. Fin plus j'ai peine pour entrer dans le pays d'Haïti, laisse la belle pression. Oh oui, pour arrêter. Arrêtez pour qui ça? Si toutefois vous avez arrêté Guy Philippe, connaît que tout nèg qui était là, le jour même, Guy Philippe a posé candidat pour aller dans l'élection comme sénateur, faut que tout nèg ça ait une arrestation en tant que monde qui s'est tiré. Une clé. Avec nous, RFI a écrit sous Guy Philippe, oh oui, c'est chef, son chef gang qui est une libération. Tout ça, c'est radot. Guy Philippe n'est pas un chef gang. Guy Philippe, son nègre qui était dans la tête, yon troupe rebelle.
et son nèg tout qui te gen en pile et regarder en pile grade dans force police nationale d'Haïti. Ça veut dire Guy Philippe son nèg son combattant, yon militant, on nèg en pile moun paix. Gen Jocelyn privé qui paix libération Guy Philippe là, gen Matéli qui paix, gen Ariel Henry qui paix libération Guy Philippe là. C'est à cause ça qui fait que en pile yo paniqué. Fait que Guy Philippe jeune libération et y a barrel pour pas entrer dans pays d'Haïti et yo risque là pour yo arrêter sénateur Guy Philippe. Tout ça c'est jouet parce que Guy Philippe lui annoncé là les rentrées, il va continuer faire bataille grandes là qu'elle te promet il va gagner en fait. Il dit immédiatement l'entrée dans pays d'Haïti, il y a dédommagé, il y a payé tout l'argent il est supposé faire comme sénateur parce que yo arrêté yo sénateur élu, faut que yo paye et puis tout faut que yo dédommage. Faut bien non dossier Louko Désiré yo avocat Louko Désiré accompagné journaliste Likné Désir de ça c'est mon nom ici alias Louko il te répond hier vendredi 8 septembre non pas clair et yo pose mission pile question. Pendant plus passé 5 heures de temps, il fait un dedans paquet. Animateur vedette matin débat doit tourner devant commissaire gouvernement jusqu'à jeudi 14 septembre qu'a venir là dans l'idée pour continuer audition l'IA. N'a pas rappelé si à cause que Louko Désiré te fait connaître bandiyo. Yo fait bien avec pays, oui c'est vrai, gen mal yo fait tout. Louko Désiré fait qu'on est bandi yo met en pile jeune sous payroll. Chaque 15 nan mois, gen pile jeune garçon, jeune fille kap touche 15,000 goud nan men gang yo. Ça veut dire son bien bandi yo fait pour pays. À cause déclaration ça qui fait quoi que Louko Désiré fait promotion pour gang. C'est ça qui fait que le commissaire gouvernement a invité Louko Désiré dans le paquet pour le dire pour qui ça, il fait une telle déclaration comme ça. Imaginez un nèg qui a une émission qui a tout écouté ça, qui parle de gang bien, ça son promotion fait là pour gagner gratis. En clair, promotion ça, Louko Désiré a fait pour gang, c'est ça qui fait que. Comme c'est le gouvernement, il est mis dans le paquet. Et au Québec, il passé plus que 5 ans, il a posé une question. Et pendant qu'il a posé une question, c'est avocat M. Anel Remy, qui est avocat misier et qui a aidé Louko Désiré. Et dans le dossier, ça qui est impliqué avec la déclaration qu'elle a fait. Et nous avons joué Louko Désiré qui était. Louko Désiré qui t'a expliqué des garçons ça qu'elle t'a fait là, il lui dit mes raisons, il lui dit ça vraiment vrai, gars en pile jeune garçon jeune fille qui sous payroll gang yo et l'argent ça gang yo bail jeune garçon jeune fille yo ils sont bien liés mais tout nous pas raconter ça tout parce que gars en pile jeune garçon jeune fille là qui sous payroll gang yo c'est ça Louko Désiré te le fait connaître et bien il t'a dit ya nous connaît dans pays dans monde là en soi gain bien mal. Et pas mis mal à bien. Et c'est ça que le côté de faire qu'on est. C'est ça que fait que le commissaire gouvernement relè Louko Désiré dans le paquet pour qu'attendre. Direction générale migration, dans tête collée avec l'armée dominicaine, arrêté hier, vendredi 8, et vendredi 8 septembre, next on garde l'accès aux Haïtiens. Monsieur fait tête li passer pour un soldat dominicain. Monsieur prend uniforme l'armée dominicaine met sous lui. Fait tête li passer en tant qu'un soldat dominicain couri dans des haïtiens arrêté yo fait tout vieux acte malhonnête. Eh bien, yo kemen nèg ça là, yo marel tant kou crabe et il fait qu'on est tout ça. Passe dans poste contrôle El Mango province San Juro et bien Juron pas connait m'pa parler espagnol bien et m'pa parler le dit tout on dit bien ah c'est ça qui fait tête li passer pour soldat dominicain t'es déjà chappé
à plusieurs points contrôle militaire. C'est ça, Listen Dario écrit de faire qu'on est. Yo arrêtez tout ça, il pas besoin de faire ça encore. Regardez, sous si me sortez soumis c'est pas dans ces domaines là. Et puis tout, m'a couru parce que ma poste c'est un soldat. M'a lavé pour arrêter me voir me tourner dans pays d'Haïti. Nous qu'on est bas checker en République Dominicaine n'a pas fini tellement bon parce que on est chaque mois là pour descendre pour aller dans la capitale pour aller checker 20 dollars américains pas tout le 20 dollars. Et puis tout, les coûts plus que 20 dollars pour payer taxi pour aller capital pour aller checker. Il y a un peu de monde chaque mois là pour checker. Son problème ni. En tout cas, ils ont arrêté haïtien ça. Qui fait que les passer pour soldats dominicains, les habillés, normalement, les casquettes, les uniformes, les bottes. Fait que les passer pour soldats dominicains, ils ont arrêté monsieur. Pas jamais fait ça encore pour qu'on aille sous contrôle. L'armée République Dominicaine. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour vous inviter. Notre dossier, pas oublier chaîne, ça c'est Production 69. Je vous demande pour like, abonner, peser sur la notification pour la vidéo pour ne pas rater. Et comme nous, Malé, partagez la vidéo, ça fait le bien. Et notre famille, notre ami. Et Guy Philippe, encore une fois, parce que l'INA, tout y a, faut nous pas ignorer. Faut nous faire un petit coup de jet sous lui pour nous connaître qui ça va aller. Est-ce que Guy Philippe libéré? Est-ce que monsieur a rentré en Haïti? Est-ce que l'a carité aux États-Unis? Est-ce que monsieur déporté? Mardoché Adrien? On va regarder ça tout à l'heure. Et parce que grand question déporté, est-ce que c'est déporté? Si est déporté son l'autre cas. Et là on clair sur ça. Même si nèg la fin gen plusieurs cas comme ça nous connaît là. Et grand série de nèg la qui actuellement pénitentiaire qui passait tout le temps en prison aux États-Unis. Le fait que c'est déporté, ça veut dire que des CPJ c'est qu'on veut. On a venir mélanger dans nous là. Bon, qu'il doit avoir gens dans pays là. Hein? Parce que m'a regardé Miami Herald clair sous ça même Lidou et ancien chef rebelle Guy Philippe, hein? Monsieur libéré par autorité américaine, yo mais a déporté en Haïti. Ça sont l'autre bagaille, n'a vienne sous ça. Parce que là on l'autre cause, dès pour gain déportation. Ça dit DCPJ ap involve qui donc la rentrer dans bail la rentrer dans jouet là. Vous comprenez ça m'dou? Donc n'a vini oui a déporté Henri Pierre. Ça veut dire que depuis déportation, ça veut dire DCPJ ap là. Qu'on y a pas connait. Là gon débat qui lancé parce que ça crivé Ali Dickinson. Chaque fois gon bagay qui passait, il suscitait débat. Ou gen doit estimer que c'est diversion. Ou gen doit dire bon ah diversion qu'a fait mais non. Pendant ou estime ces diversions, il y a débat capable d'enrichir connaissance sur la dedans. Par exemple, dès demain, obligé de chercher un bon avocat, pour nous faire un petit parler. Un homme de droit qui comprend, qui maîtrise les thèmes, pour nous faire un petit parler avec lui, parce que faut nous aider la société à comprendre les choses. Puis clair, qui ça débat? C'est parce que Guy Philippe, pas oublié, monsieur, plaidé coupable. Ici aux États-Unis et y a m'te fonti parler sur ça. M'te dit hier, gen moun qui peut-être pas saisi sans ça m'te dit hein. M'te dit la justice américaine gon jan fonctionnait. Plaider coupable pas forcément vle dou coupable. T'as bien. T'as y a m'te dit ça. M'dit la justice américaine gon jan fonctionnait. Plaider coupable dans un dossier pas forcément vle dire coupable. Ni tout le pas forcément vle dire innocent. Mais souvent, avocat ou capable conseiller ou plaider coupable, c'est une façon pour capable alléger peine ou soulager peine ou réduire dans peine ou. Est-ce que nous comprenons ça me dit? Ça veut dire que là, c'est encore l'autre débat. Quand il y a l'autre débat, le fait que Guy plaide coupable, pour question blanchiment d'argent qui gagne pour avec trafic illicite de stupéfiants, le fait que monsieur plaide coupable, est-ce que monsieur là li capable à l'Haïti pour venir candidat? Nous pral garder ça parce que qui ça pral faire débat il pral fait monsieur plaide coupable aux États-Unis mais c'est pas en Haïti. La justice américaine condamne monsieur mais c'est pas la justice haïtienne. Kounia, est-ce que dans un accord qui existait
rapport Haïti et États-Unis. Est-ce que si on est comme si font crime aux États-Unis, d'ailleurs, monsieur que crime yo t'est fait en Haïti, ça reproche monsieur yo. OK, peut-être gain rapport tout parce que si y a question trafic illicite de stupéfiants, capable gain traverser États-Unis sous lui. Ça le dit là deux pays yo concernés. Qu'on y a le débat c'est que si crime nan s'il condamné États-Unis, est-ce que ça veut dire que il est pas capable al candidat en Haïti qui sont l'autre pays? C'est là m'a le besoin et juristio homme de droit yo pour nous faire bon débat sous lui, pas remonter non, pour nous faire bon débat sous lui. Faut nous garder qui ça la loi dit sous ça? Que dit notre constitution? Et puis parce que si c'est pas la justice haïtienne qui reproche l'on bagay, est-ce que nous capable interdire pour ta vin candidat? Est-ce que le père du droit civil et politique li tout bon vrai? Nous pral garder ça. C'est pas contre nous garde personne. Vous comprenez, mais n'avez essayé de regarder, analyser pour nous comprendre. N'avez vu sous ça tout à l'heure. Vous comprenez? Vous coupable? Vous connaissez des groupes d'écoute? Vous coupable? Eh ben, j'en sais ristil. Eh ben, nous pas connais. Nous pas connais, Mimi. N'a regardé ça tout à l'heure. Mais déjà, qu'on les remet les 10 ans. Nous pas connais, mais nous pas connais, vrai. Et après, nous faisons chercher monde qui connaît. Et pour ne parler plus sous bagaille, parce que là, bah, après elle fait débat. Elle commence à faire débat dans le pays Yahweh, là. Vous comprenez ça, m'dou? Donc, mais, d'ailleurs, Bélanger, l'assemblée des CPJ a tant de rentrer. Et m'baron, si la va accompagner, le Bélanger Pistel, m'baron ça, cap fait. N'avine sous ça, t'as l'air. Ok, ensuite, dossier Jovenel Moïse, non? T'assemblée le coquet dans gauche en pile négrier. Un dossier Jovenel, là, m'bral garder encore une fois. Parce que t'assemblé dossier ça a un pile bagay qui rivait. OK? Nous pral garder ça qui ça bagay. Pas un problème. Et ensuite, pendant qu'on a parlé là, Solino tête en bas. Solino tête en bas pendant qu'on a parlé là. Mais pour moun qui suivent l'émission ça, est-ce que ça c'est nouvelle pour nous? Non! Li pas nouvelle. Ça seulement peut-être étonné, mais qui pas étonné du tout, j'en ai bien dit. C'est parce que nous connaissons l'État pas existé. Le fait que l'État pas existé, moi-même lorsque je bats information, je bats dans le cadre prévention. Ça dit logiquement, l'État est supposé faire prévention pour ça pas arriver. Même te gen tan signalé que ça a privé. Parce que bon, dis donc, petit bagay. Gon réalité que nous besoin comprendre. Le nèg exam dim que yo fait la paix. M'ri. Seul moyen pour nèg exam faire la paix, c'est si et seulement si yo relé autorité, bon qui autorité même yo même nan. Mais c'est si yo ta relé instance quand même entre guillemets instance concernée et puis yo remet tout zam qui nan men yo. Ça veut dire que si yo pas remet zam qui nan men yo. Tendez oui, si yon pa remet zam ki nan men yo, de ki la paix wap pale m? Ki forme de paix? Ki la paix wap pale la? Nèg la gen zam ni nan men, à n'importe quel moment donné, li gon mauvais sang, un mauvais l'idée de passer dans tête, il prend zam ni et puis il pète coup de balle. Et bien, pendant nan pale la société, li clair que moun Solino yon nan situation compliquée. Depuis hier, coup de balle fait Mikalao, Solino ak Belé, Goumé en carré. Et pendant ma parole avec la société m'a regardé. Malheureusement, je n'ai pas partager l'image avec nous, Kounia, peut-être demain. Mais, gon paquet de côté là, du feu qu'on mette pendant la parole là. Par exemple, pendant la parole là, on mette du feu dans Dokaïmé Charité. Pour moun qui connaît zone là. Donc, gon paquet zone là, du feu là-dedans. Gon paquet moun ki mouri. Nèg yo mette du feu tout près. M'ap gade la fumée kap monte. Tout près nan marché Kafou Payan, même marché Solino. Nèg yo mette du feu, m'ap gade gros flamme kap lume là-dedans. Nèg yo entre, yo mette du feu nan Félix. Youn nan quartier nan Solino. Son zone nèg yo toujours fait un pile attaque là-dedans.
C'est grave ça qui a passé là la société. C'est grave, oui. C'est triste ce qui a passé là. Parce que le mal checké sous ce qui a passé sur Lino. Je regarde comment on a assassiné un personnage. C'est triste. Comment monsieur est là encore et quoi est pas Jules, Père Jules. Père Jules, Jean Fritz, on barre comme ça. Nego crabine monsieur à coup de ballon personnage, oui. Et le mal checké est assemblé, c'est prendre à courir à monsieur son moto pour quitter son nom, yo croiser à lui, yo vide balle sous ni chauffeur ni personnage là. Chauffeur a blessé grave, monsieur poko mouri, ou il pas mouri, s'il joint soin. Mais personnage là pas qu'à résister lui en bas coup de balle yo. C'est grave. Alors que Ariel Henry là a des yeux, moi, je me donne un peu de vraiment, je même pas à parler cause, je ne connais pas. C'est une bonne vérité, je parle, je ne sais pas, écoute, je parle là, oui. Ça veut dire que la société, nous pas de monde qui pense rien pour nous. Parce que avant ça arrive, je annonce. Le m'annonce, c'est parce que je me tente de parler, moi, je toujours chercher des détails à terre. Je toujours chercher. Mais l'homme cherche des détails, je ne peux pas nous. L'homme peut pas nous. Non seulement, moi alerter soi-disant autorité, yo, et moi alerter population en tout pour me dire, mettez-le sous mêle. Mais ça arrive. Bon, ni population, hein, ni soi-disant autorité, yo, yo tout fait silence. Qui sont, qui kounia, qui sont bras de dim là? Nous pas faire ça. Nous allons faire ça, donc, bah, yo compliqué, plus que compliqué. Mais estimez que, par contre, pour combien de temps nous là, ok? Marron, pour combien de temps nous là, mais bah, yo plus que compliqué. Et pendant la plein Solino, Cafoufeuille, c'est presque même réalité. N'ego pas comme si décidé pour yo bail Cafoufeuille vague du tout. Quand on va le montrer dans qui état moun ka fou faire vivre ben l'ordre pour la sécurité dans pays il y a lorsque il y a des moyens à la police comment dire pour prendre des décisions c'est ça hein? Allô c'est un problème technique avec Clarence Renoir qui t'a expliqué nous dans qui étape y arrivé là dans la négociation qui a fait yo. Il y a là oui. Et il veut ouvrir le gouvernement pour mon entrée. Allô Clarence? Allô? Oui, nous avons perdu contact avec vous. Vous t'a parlé de une gouvernance équilibrée. Allô? Oui, on a parlé d'un gouvernement bicéphale, oui, vous entendez? Oui. Oui, nous disons une proposition. Proposition signataire, déclaration de Kingston, c'est que bon gouvernement bicéphale qui est dans tête pays, qui est inspiré de sa constitution haïtienne, la constitution 87, l'a dit, ok? Bail HCTA devrait pouvoir, enfin, attribution présidentielle, pour que quelqu'un ait. Sérieusement, matin avec Clarence Renoir, qui est principal dirigeant parti politique Unir, avec l'INAPC, et commenter actualité, surtout rencontre ça qui était faite hier avec un émissaire groupe des éminentes personnalités de la CARICOM qui pas arrivé fête, puisque en face là, t'es exigé la présence du docteur Ariel Henry, chef gouvernement. Oui. Alors, oui, moi c'était avec attribution présidentielle. Pour m'expliquer, il y a deux propositions sous table négociation, j'en ai jeté à là. Il y a une proposition qui sortit dans la déclaration de Kingston, qui dit, en nous faisant expérience d'un pouvoir bicéphale, pour qu'il y ait plus équilibre dans la tête de l'État, pour que l'État ait capacité pour le diriger mieux,
pour garantir à tout le monde que gestion publique, affaires publiques a fait bien. Et en face là, qui proposition gagne que le Premier ministre a arrêté dans la place l'IA et dirigé pour contre lui comme seul maître et seigneur. Donc, même deux propositions qu'il a, qui sa proposition a besoin. Il y a besoin des gens qui sont flexibles, des gens qui comprennent la situation par carité Jean l'IA là, qui vous dit, en nous, qui côté m'a perdu, qui côté a perdu, mais pour nous tous gagner ensemble, pour pays à gagner. Qui sa pays à gagner? C'est l'île des dirigeants. Qui est capable de bailler la police là, l'ordre de moyens pour faire travail de sécurité dans le pays, des dirigeants qui sont capables de garantir à tout secteur dans le pays, et notamment le secteur politique et électoral là, que leur élection soit une élection qui est ouverte, équitable, juste et libre, sans fausse côté. Voilà. Mm-hmm. C'est deux propositions principalement qui sont sous table de négociation. D'accord. Donc, alors, il y a une proposition, c'est un exécutif bicéphale. Et vous parlez de. Pour inspirer de Constitution 87 l'un. Et est-ce que ça veut dire qu'on a pris dans la Cour de cassation pour aller chercher un président de la République ou bien qui ça prévoit? Ça qui est suggéré, je ne vais pas dire ça prévoit, mais ça qui est suggéré dans la proposition, c'est que gagner un HCT. Son l'esprit, qui son l'idée qui est venue pendant la période de crise. Eh bien, nous disons HCT ça, on recompose. Parce que c'est clair pour tout le monde. Et même le monde qui a HCT, puis HCT n'a pas réglé en quel an là. On recompose HCTA, mettez plus équipe. À partir de représentativité politique qui est sous terrain là, balie des attributions présidentielles et on le premier ministre, un premier ministre avec un chef de gouvernement pour équilibrer gestion l'État, pour ben garantir que Mabdi là à tout le monde et ça a mandé nous pour nous faire un effort patriotique d'un côté comme de l'autre. Moi-même, moi, je crois que le Premier ministre, ça qu'il a, lui font expérience déjà, expérience n'a pas marché, il fait 2 ans de diriger pour contre lui, ça là, ben, là-bas, bon, eh bien, je pense que tu as fait un acte magnanime, un acte patriote, lui, il me fait expérience. Ben, moi, je dis comme, expérience faite pour nous arriver dans l'élection, hein, plus vite et plus bien. Ah, ok, donc c'est pas un président de la République, mais c'est un HCT avec attribution présidentielle. Tout à fait. Ou carré le HCT, ou carré le collège présidentiel, ou carré le conseil de transition, tout sauvé. Mais c'est pas un président de la République, c'est une équipe moun qui peut avoir un équilibre dans tête pouvoir. Pour que ça peut nous taper un seul moun, alors que, ou clairement, ouais, mais un seul moun qui l'a, il n'a pas dirigé le pays. Pourquoi il est là, c'est le docteur Ariel Henry. Il est tout lié au conseil des ministres avec lui. Bon, c'est lui-même qui est conseil des ministres pour contre lui, parce qu'il est occupé au moins 3 postes en conseil des ministres pour contre lui déjà. Donc, ça, le pays n'a pas accepté ça encore. Le pays a besoin d'une expérience qui va garantir que l'élection que nous avons là dans l'IO, le est arrivé, la sécurité a été établie, la permet de nous sortir définitivement dans la crise que le pays a est là. Il faut que le pays entre dans une phase de stabilité politique définitivement à travers des élections correctes pour que nous ne pouvons pas retourner garder derrière encore dans le même type de. Alors que l'autre pays dans l'entourage là, petit pays dans l'entourage nous là, population nous 10 fois plus par yo, il y a avancé parce que je n'entends pas tout même. Il est le temps pour le Premier ministre Ariel Henry comme ça, pour l'équipe 21 décembre, nous comprenons ça. Pas de monde qui a besoin de faire coup d'état contre eux. Il y a parlé de coup d'état, il y a parlé de ceci, de cela. Comme quoi ça a passé dans le pays là, dans l'insécurité. C'est le monde qui parle en 21 décembre qui est dans l'opposition qui l'a cause. Mais que arrêtez, vous prenez qu'à faire ça. Donc, ou bien des gens de mauvaise foi. Qui attendit qui parle, qui voulait accrocher à des positions de pouvoir, à des intérêts personnels, mais qui parle intérêt pays, qui n'est pas fini, et yon même yon responsable dans la catastrophe qui a passé la journée aujourd'hui. Donc c'est possible pour nous gagner un HCT avec attribution présidentielle, et puis un premier ministre qui c'est Ariel Henry. Écoutez, c'est pas moi qui dis ça là, hein, parce que. Parce que je n'ai pas d'autorité pour me dire ça, c'est une négociation pour dire. Mm-hmm. Vous comprenez? C'est une négociation pour dire. Les femmes nous pendant une semaine, ça m'a capable de dire partie ça, pendant une semaine, dans le mois de août là, donc c'était dans le début août là, il y a des discussions entre le Premier ministre Ariel Henry avec des représentants de structures politiques différentes, quand ils ont discuté justement pour qui meilleure formule qui gagne pour une attribution présidentielle à une instance qui vous venez, même côté avec lui, qui vous dirigez. Fomdou, il n'y a jamais d'accord l'idée ça, parce que pour lui-même, lui, c'est à la fois Premier ministre et président, Premier ministre du gouvernement et président du Conseil des ministres, car c'est Conseil des ministres qui a dirigé selon l'article 149 de la Constitution. Mais ce n'est pas sérieux.
59 constitution claire que article ça a épuisé. Il était dit c'est 90 jours ou 120 jours pour faire élection dans le pays. Ou pas arriver faire après 2 ans. Donc qu'on y a là, il faut que nous trouvions notre formule qui est capable de permettre que y ait confiance qui crée la caille tout acteur politique, acteur de la société civile et du secteur privé pour que nous c'est pas une question d'intérêt personnel qu'a défendre là. Et moi même moi comprends mal comme monde qui a regardé l'histoire pays au cours de ces 35 dernières années. Comment on est qui pas élu, il y a une audace pareil pour l'accrocher le sous pouvoir pour le vérité à tout prix. M'a songé général Prosper Avril était pour pouvoir dans coup d'état. Mais non, interview, je le dédie ici. Allô? Non, on a envie de dire, type de dictature, ça, c'est une dictature militaire qui dépend. Allô? Difficulté. Oui, on va conclure avec Clarence Renoir qui a recevoir à matin. Citoyen, et oui, on a essayé de rétablir contact rapidement et pour nous capables finir oui, avec. Oui, mais là. Mm-hmm. Oui. On a peut conclure, Clarence. Oui, moi, là, tout seul. Hein, oui. Oui, on a conclu. Alors, ma continue de donner ça me dédié, mais vraiment, moi, pense que nous gagnons une classe politique et dans le pays. Là. Qui vieillit, qui démodé, qui pas modernisé, qui m'a limité l'autre qualificatif que m'a mettre, mais qui irresponsable, qui insensible et cynique, qui passe vraiment à de nouvelles pensées politiques, à de nouvelles dispositions d'esprit pour que nous puissions changer le pays. Parce que Mounsayo, avec tradition, gens qui voulaient pour diriger le pays, et bien, ils préfèrent le pays à craser que nous étions au pouvoir là, alors que je dis à pays à demander des hommes et des femmes d'honneur et de sacrifice qui comprennent le sens de l'histoire qui a bougé dans toute région, dans tout le monde, pour que Haïti, comme pays qui a fait l'histoire, capable relever tête qui sortit en bas de l'autre côté la moyenne là. Donc c'est responsabilité de nous chaque. Nous-mêmes, nous campagnes, nous d'accord pour nous faire toute concession qui est possible pour nous avancer ensemble, mais nous besoin tout en face là, des gens qui comprennent que le pays a obtenu ça de eux-mêmes. Voilà. Merci un peu, Clarence Renoir. On n'a pas retourné. Voilà, merci un peu Clarence Renoir, dirigeant parti politique uni qui était en direct avec nous tout à l'heure. Après, continuer venir avec réaction acteur Rio par rapport à en tout cas discussion qui a fait là, discussion qui est censée font camper et puisque rencontre qui était prévue hier là pas arrivé faite, est-ce que la fête jeudi ou bien demain? Nous, pourquoi qu'on est en tout cas Chita Palais qui a pas déroulé en bas médiation CARICOM pourtant